Et donc salut à tous et à toutes, c'est AftersGamer49. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va dire pour parler un petit peu de la deuxième chaîne que j'ai avec mon ami Tryfondator. Mais avant cela je vais vous parler un petit peu du gameplay qui enfonce. Donc ça se passe sur Gotham City Imposter, un jeu sur PS3. Donc il est payant sur PS3 et gratuit sur PC via Steam. Alors je suis désolé d'avance si vous voyez qu'il y a des petits blancs parce que je respire, c'est que je suis malade. Du coup j'ai un petit peu du mal à respirer, du coup je suis obligé de respirer en grand, on va dire. Donc si à moitié des petits blancs, c'est normal, je vais dire, c'est normal. Alors donc pour les petites, donc la chaîne, on va dire, la chaîne s'appelle Studio Halls Gaming. Donc avant elle s'appelait la XPS36. Donc quand vous allez aller sur la chaîne, donc par la vidéo où il y aura un lien, ou par le lien dans la description, vous allez voir qu'il y a trois vidéos qui parlent de la XPS36, mais ne vous en occupez pas, de toute façon on va peut-être les enlever. Je dois en parler avec mon ami Tryfondator. Alors pour commencer, sur la chaîne, donc les prochaines vidéos qu'il y aura sur la Studio Halls Gaming, il y aura de tous les jeux PS3, Xbox 360 et PC, enfin de tous les jeux qu'on possède, hein. Tout simplement parce qu'on est sur plusieurs plateformes. Lui, moi je suis sur PS3 et PC, lui il est sur Xbox 360 et PC. Ensuite il y aura de la coopération sur PC, c'est à dire que vu qu'on est tous les deux sur PC, on va pouvoir proposer de la coopération, ce qui est pas mal quand même, vu que c'est moitié une chaîne multiplateforme. Ensuite alors, il y aura plein de séries, il y aura vraiment des séries, mais en partie sur du Call of Duty, tout simplement parce qu'on n'a pas... Bon, moi personnellement j'ai pas énormément de jeux où je pourrais faire des séries. Enfin j'ai pratiquement que du Call of Duty, puis à part, enfin j'ai vraiment que des... Je dois peut-être avoir deux ou trois jeux qui ne ressemblent pas à du FPS. Franchement, donc du coup je vois pas faire des séries dessus. Ensuite, justement en parlant des trois vieilles vidéos, c'est... donc vous en occupez pas, je vais les supprimer dans pas longtemps peut-être, je vais demander mon avis à Tryfondator. Aussi vous allez pouvoir remarquer qu'il y aura les deux mêmes vidéos sur les deux chaînes, c'est à dire que je pourrais très bien faire une vidéo sur ma chaîne principale, donc Afters Gamer, et l'upload en même temps sur la Studio Halls Gaming. Donc ça sera pas toujours, hein. Mais si au début des vidéos vous voyez que je dis de la Studio Halls Gaming juste avant mon salut tout le monde et tout, juste après, pardon, mon salut et tout c'est machin, bref. C'est-à-dire que la vidéo est disponible sur la deuxième chaîne. Ensuite, je vais regarder en même temps sur mon petit papier parce que j'ai noté des choses. Donc je vais parler un petit peu de Tryfondator. Alors Tryfondator, quel est le rôle qu'il va jouer un petit peu sur la chaîne? Ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu que c'est la chaîne moitié multiplateforme, lui il va faire sur Xbox 360, comme ça, on va dire que ça varie un petit peu les jeux pour ceux qui sont sur Xbox et qui cherchent des chaînes sur Xbox. Ou alors sur PS3, ceux qui cherchent une chaîne PS3. Ensuite, je vais parler un petit peu de sa chaîne, parce qu'il a une chaîne YouTube, s'appelle Trilogy France, si je me trompe pas. Il fait des vidéos avec toute sa team, pour l'instant j'ai vu que deux membres, donc Tryfondator et, si je me trompe pas, TryDarkfire. Autrement il propose, ce que j'ai vu, la dernière fois que je suis allé, j'ai vu des vidéos sur Minecraft sur Xbox 360 et du Call of Duty. Ensuite... c'est, on va dire, un petit bonus avant que je termine ce petit commentaire parce que je vais vous laisser profiter du gameplay. Que veut dire Try avant son pseudo? On va dire que j'ai moitié répondu parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire que Try c'est tenter en anglais, ou essayer, ça dépend. Excusez-moi. Try, c'est dire trilogie pour son nom de team. Et Fondator, c'est Romain, donc je sais pas s'il a fait exprès, hein, je pense pas. Donc Fondator, c'est-à-dire Fondateur en Romain. Donc c'était une petite, anecdote, hein, comme ça. Aussi, il fera pas de vidéo, je pense, ce mois-ci ou cette semaine, je sais pas quand on en fera. Tout simplement parce qu'il a des trucs privés qui l'empêchent justement de pouvoir faire des vidéos. Donc si vous voyez que je propose que des vidéos, c'est normal, hein. Ou normal, c'est pareil, hein. C'est normal, hein, tout simplement parce qu'il a une vie privée, hein. Du coup il est en train de faire des trucs, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est à peu près tout, hein, je pense.
Le gameplay, vous allez pouvoir voir vite fait. Enfin, il y a du moment, ça bug moitié. Hein. Je sais pas ce que j'ai, mais. Enfin, je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a eu en moitié des petits bugs vite fait. Pendant que je capturais, je sais pas ce qu'il y avait, mon jeu est bugué moitié. Enfin, bref, c'est pas énormément gênant. Franchement, je ferai peut-être une vidéo découverte sur ce jeu. Vous allez dire, ouais, mais sur PS3, ça sert à rien vu que tu l'as acheté et qu'il est payant. Mais sur Steam, il est gratuit, c'est pour ça que je vais vous proposer un gameplay sur PS3. Mais c'est équivalent à celui sur PC. Sauf que sur PS3, il est payant. Bon, je vais pas vous en dire plus, hein, vous verrez ça. N'oubliez pas le lien de la chaîne Studios Gaming est disponible sur la vidéo et dans la description. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook et mon Twitter et de vous abonner à ma chaîne, c'est dans la description. Tout y est, commentez aussi si vous voulez. Et puis bah c'est tout, et puis sur ce, à la prochaine, ciao, bye tout le monde. Lapin copain.